Votre Altesse, c'est de la folie. Vous ne devriez pas prendre autant de risques. Attendez ici que je réunisse une escorte. Non, Vélérad. C'est ma cité, la capitale de mon royaume. Je règne sur ces terres, et il est hors de question que je rase les murs. Votre Altesse... Silence. Vous savez que ces rapports des mouchards sont juste bons pour se torcher. Je veux tout voir de mes yeux. Alerte! Des non-humains! Protégez le roi! Liberté! Mort aux doigts! C'est le grand maître! On est sauvés! Vous voilà, sire. Vous arrivez juste à temps. Le pays a besoin du roi. Jacques, c'est la politesse des rois. Sire, la moitié de la cité est en feu et le sang de vos sujets inonde les rues. Il faut agir, et vite! Que proposez-vous, Jacques? Confiez-moi le commandement de votre armée et les pleins pouvoirs. Jamais. Il n'en est pas question. Il s'en est fallu de peu. Je n'arriverai pas toujours à temps. J'en ai assez vu. Vélérad, au château. Mais que fait-il ici? Il est sorti de nulle part. Il a un vrai talent pour ça. Que dois-je faire de lui? Qu'il nous accompagne. Comme je l'ai dit, je veux m'entretenir avec lui. Le sorceleur de Rive. Sire, je suis très honoré. Un problème grave requiert ton intervention. Une malédiction pèse sur ma fille. J'ai réuni tous ceux qui sont susceptibles de nous aider. Dohet, le conseiller de la princesse depuis 6 mois. Vélérad, qui connaît la princesse depuis son enfance. Et Triss Merigold, qui mettra sa magie à notre service. Consulte-les et réfléchis à tout ça. Nous en reparlerons bientôt. Comme vous voudrez, sire. D'autres affaires requièrent mon attention. Je vous écoute. Imagine-toi rentrant chez toi après une expédition contre un monstre et découvrant que ta maison est un vrai... bordel. Sire. Je n'ai pas fini. Réalisant que ceux à qui tu avais tout confié t'ont failli, qu'un traître menace de te chasser de la demeure de tes ancêtres, tu ne serais pas en colère? Tu ne ferais pas couler le sang? Sire, votre demeure abrite également les elfes et les nains légués par vos ancêtres. Je ne le nie pas. Mais les incendies et les massacres sont de leur fait. En vérité, j'aspire à la paix de mon royaume. Sans doute apaiseriez-vous la situation en garantissant aux non-humains la sécurité et l'égalité des droits. Vélérad ira négocier avec eux. Avec son allure d'elfe, ils n'oseront pas lui tirer dessus. Je plaisante. Le maintien de l'ordre exige d'autres mesures. Vous avez certainement raison, sire. Des affaires urgentes me réclament. Discute donc avec ces grands esprits pour te faire une idée. N'oublie pas ma fille, sorceleur. Je compte sur toi. Je ne l'oublierai pas. Mon serviteur te fera chercher lorsque j'aurai le temps. Oui? Salutations, Geralt. Salutations, Vélérad. Je t'ai vu parler avec le roi. J'imagine que tu as passé un sale quart d'heure. Ça aurait pu être pire. Geralt. Le roi m'a parlé de Hada. C'est une catastrophe. Tu nous avais prévenu que ça pouvait revenir. Pourras-tu briser de nouveau la malédiction? Nous verrons. Vous semblez garder un souvenir très précis de la fois précédente. Absolument.
Tu es resté du crépuscule à l'aube, enfermé dans le vieux château où se trouvait le sarcophage de la Strige. Le bruit que vous avez fait a réveillé la moitié de la cité. À l'aube, nous sommes venus au château et nous vous avons trouvé tous les deux près du sarcophage, baignant dans une mare de sang. Tu ne respirais presque plus, mais la princesse était guérie. Sans compter que le roi était ravi de la mort de ce traître d'Ostrit. Elle a fait beaucoup de victimes ? Je n'en sais rien. Ces derniers jours, les cadavres s'entassent comme des feuilles sous un arbre à l'automne. Vous savez où la Strige dort pendant la journée ? Non, mais elle a été vue dans l'ancienne Vizima. C'est peut-être là qu'elle chasse. Ce sera risqué d'essayer de briser la malédiction. C'est vrai. Mais le roi a de bons arguments pour te motiver. Comment ça ? Tu as des amis non humains. Aide Foltest, et il reconsidérera son décret qui vise à tailler les oreilles et les barbes à la taille réglementaire. Je comprends. Geralt. Vous n'avez pas peur, Vélérad ? Le roi avait l'air irrité. Contre moi ? À votre place, je pèserais bien mes mots. J'ai servi la Temeria toute ma vie. S'il me condamne, je marcherai jusqu'au gibet la tête haute. Adieu. Sorceleur, compte. Pas de titre entre nous. Enterrons nos désaccords passés au nom de l'intérêt supérieur. Très bien. Sorceleur. Le roi veut que je brise la malédiction qui pèse sur Ada. Quoi de moins étonnant ? Vous avez déjà réussi une fois, même si vous avez failli y laisser la vie. L'apparition de la Strige sonne le glas de Foltest. On murmure qu'il a offensé les dieux. Vous vous souvenez de la première transformation en Strige ? Pas vraiment. Foltest avait engrossé sa propre sœur. L'enfant mourut à la naissance, mais grandit dans son cercueil, sortant seulement pour se nourrir. Vous aviez brisé cette malédiction, mais pas complètement, apparemment. La réapparition de la Strige prouve que c'est la lignée royale qui est maudite. Les gens croient à de tels signes. Pas étonnant que Foltest vous demande d'éliminer la Strige. Je croyais que je devais juste lever la malédiction. Vous allez empêcher la Strige de se transformer en horreur. Les chances de briser la malédiction sont minces. On parle d'une prime supplémentaire au cas où la Strige serait tuée. Je ne m'intéresse pas aux rumeurs. Vous devriez. Comme vous voulez. Adieu. Foutu recrue. Qu'est-ce que tu veux ? Triss. Ne m'appelle pas comme ça. On va penser que nous sommes plus que de simples connaissances. Je ne veux pas de l'amitié de quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. D'ailleurs, où est Alvin ? Je n'en sais rien. Il s'est téléporté quelque part malgré l'amulette que je lui avais donnée. Toi et ton troubadour. De vrais enfants irresponsables qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ça ne serait jamais arrivé si Alvin était resté avec moi. Mais le sorceleur savait tout mieux que les autres. Triss. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Alvin peut être n'importe où. Impossible de le localiser. Oh, tu n'en rates pas une. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Ada ? C'est une Strige, Geralt. Nous savons tous les deux qu'une malédiction ne se lance pas toute seule. Tu as des soupçons ? Quand tu as brisé la première malédiction, tu as ordonné que la princesse porte un saphir avec une inclusion et qu'on brûle dans ses appartements du genévrier, du genêt et du coudrier. Alors quelqu'un aurait remplacé le collier et jeté n'importe quoi dans le feu. Oui, quelqu'un de proche qui connaissait le secret. Vélérad aura peut-être une idée. Est-ce que je dois aider le roi ? Oui. Dans un sens, je suis une prisonnière politique. Je pourrais me téléporter ailleurs, mais ce serait très mal perçu. Et j'ai encore des intérêts politiques à défendre ici. Quels intérêts ? Ne t'occupe pas de ça. Je sais que tu as un accord avec Yevin. Triss, ne le prends pas comme ça. Tu as choisi ton camp, Geralt. Adieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Alvin, à ton avis ? Je n'avais pas imaginé qu'il résisterait au Dimeritium. Peu de magiciens le peuvent. Il a assez d'énergie pour se téléporter n'importe où. Peut-être même à travers le temps. À
Adieu. Notre maître miséricordieux va vous recevoir. Montez jusqu'à ses appartements. Bien. Adieu. Sorceleur. Sire. Parle franchement. Sauras-tu briser la malédiction de ma fille? C'est possible. Est-ce que la malédiction a pu revenir d'elle-même? C'est improbable. Quelqu'un a dû la lancer à nouveau. Si tu réussissais, est-ce que... son esprit serait celui d'une enfant? Je ne pense pas. Il se souviendrait probablement de tout ce qui a précédé sa transformation. Ce ne sera pas facile, Geralt. Tâche de briser cette malédiction. Si tu n'y parviens pas, tue-la. La dernière fois que je t'ai accordé ma confiance, tu ne m'as pas déçu. Merci, sire. Ne me remercie pas encore. Et si tu apprends qui a lancé la malédiction, viens m'avertir, moi et personne d'autre. Si tu réussis, j'exaucerai tous tes désirs dans la mesure du raisonnable. Mais si tu échoues et que ma fille souffre, tous ceux que tu aimes en pâtiront. Je comprends, sire. Bien. Sire, une autre maladie frappe votre royaume. Laquelle, sorceleur? La salamandre. Ma fille devait s'en occuper. Les cervelets. Je regrette de m'être absenté. Vélérad affirme que tu as largement clairsemé leur rang. Achève ce que tu as commencé. C'était mon intention. J'ai reçu un rapport sur toi. Sur ta vie privée. Votre Altesse? N'y vois pas de curiosité mal placée. Je voudrais savoir pourquoi tu as mêlé Shani aux récents événements. Shani et moi étions proches. Ça ne concerne que nous. Ne te mets pas en colère, sorceleur. Moi aussi, j'ai aimé la mère de Hada. Ils m'ont interdit de l'épouser. Je te souhaite plus de chance. Au moins... tu ne devras pas te marier pour l'avoir mise enceinte. Si tu veux te rendre à Vizima, va voir mon chambellan. Je vais m'absenter quelque temps. Adresse-toi à Vélérad s'il te faut autre chose. Entendu, sire. Adieu. Oui? Adieu. Ne vous frottez pas à nous. Oui. Peut-être Vélérad. Ça alors? Ce n'était pas moi, madame. Tous les sorts... Non, madame. Ma mémoire doit me jouer des tours. Que puis-je... Eh bien, mon Dieu, mes trois... cousins ont dû... Ils s'étaient attirés là... En quelque sorte. J'aimerais leur... Je souhaite me te... Oui? Je voudrais rentrer à Vizima. Vous êtes prêt, monsieur? Oui.
Ravi de te voir. J'ai bien cru devoir traverser la cité tout seul. J'ai parlé à Foltest. Il veut que je brise la malédiction de Hada. Elle chasse dans la cité. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais t'aider. Je tomberai peut-être sur les traces de la princesse. Excellent. Nous devons rassembler deux groupes près d'ici. Puis nous foncerons à l'hôpital de Shani. Prêt? Prêt. Moche d'humeur. Tuez ces lapins. Liberté! Oh, et puis merde! On dirait des mouches. Erlinen! Ils devaient nous retrouver ici. Ils doivent se terrer quelque part. Il ferait bien de se dépêcher. Les chevaliers ne vont plus tarder. Putain! Un nain grossier? Impossible! Putain de queue de merde! Pas toi, Zoltan. Et vite! Restez près de moi et de ce sorceleur! Autour de notre groupe! Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie.
On y est! Les anciennes races ne sont pas très attachées à la ponctualité. Chut, Geralt. Je vais imiter le rugissement d'un tigre polaire. On a rendez-vous avec des zoologistes? Sinon, ils risquent de confondre le rugissement du tigre polaire avec celui d'un tigre normal. Quand ils entendront un rugissement bizarre, ils sauront que c'est moi. Une logique imparable. Je t'avais prévenu. Arrête, tu vas attirer une meute de tigres polaires. Les voilà! Nous allons à l'hôpital! Non! Non! J'ai les couilles qui grattent. C'est de la vie.
On est arrivé. Les blessés vont pouvoir être soignés? Tu connais la légende du sorceleur Corbeau et de son armure? Tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça pour moi? L'armurier nain dans l'ancienne Vizima pourrait t'aider. Parfait. Bienvenue. Tu as un instant? Pour toi, toujours. Tu m'as manqué. Un baiser, d'abord. Maintenant? Ne sois pas gêné. Maître, êtes-vous un sorceleur? Oui, pourquoi? Maître Geralt! Le monstre assassine des gens! Quoi donc? La Strige a été vue près de la tour. On m'envoie chercher un sorceleur. 5 soldats y ont déjà laissé la vie. Aidez-nous! Quelle tour? La plus haute du quartier. Celle que la Scoétel a incendiée. Enfin, le monstre ne fera plus de mal. Que faites-vous ici? J'ai su que des soldats affrontaient une Strige. J'ai voulu voir de mes yeux la célèbre princesse Strige de Vizima. Il s'avère que ce n'est pas une Strige, mais ça reste très instructif. Du calme, Kalksten. Je vais payer ces bons soldats afin qu'ils transportent ces restes jusqu'à mon laboratoire, et ensuite... Attendez, si ce n'est pas une Strige, qu'est-ce que c'est? Une combinaison d'alchimie, de génétique, de biologie et de magie noire. Un mutant comme vous. Je suis impatient de l'étudier de plus près. Comme moi? Si on veut. La magie et l'alchimie accélèrent la mutation. Les effets secondaires sont quasiment incontrôlables. Le processus est puissant et rapide. J'en apprendrai davantage en l'autopsiant. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Savez-vous d'où ce monstre est venu? Les soldats m'ont dit qu'il est sorti du cimetière des Marais. Prenez ce parchemin. C'est la formule d'un puissant élixir qui vous aidera si vous décidez d'affronter la Strige. La salamandre devient audacieuse. Il faut de l'audace pour se livrer à des mutations accélérées et des expérimentations sur les humains. Le tout fondé sur des secrets volés aux sorceleurs. Que vous avez protégé des années durant sans jamais céder à ces tentations. Félicitations. D'accord. Et au sujet de la Strige? Et si les soldats se trompaient? J'ai entendu des rumeurs sur les marais. Quelles rumeurs? Soyez bref. On dit qu'un corps éventré a été retrouvé près de la vieille chapelle.
Le gros intestin était étiré sur tout son 1,50 m de long, avec 6,50 m d'intestin grêle enroulé autour. Ça me suffit, merci.